Bonsoir, bonsoir, chers amis auditeurs. Bienvenue à l'écoute de Radio F. Mon nom est Jessie G. Et comme à chaque mois, je vous présente ma chronique horoscope sexe. Alors, que prévoit votre horoscope côté sexe pour ce mois de mai 2017? Alors, on commence tout de suite avec nos amis Bélier. Alors, amis Bélier, avec la bénédiction des astres, la vie à deux sera harmonieuse. Sachez toutefois, évitez d'être négligent à l'égard de votre douce moitié. Un mot gentil, une petite attention peut faire des merveilles. Par contre, un peu d'insouciance peut provoquer des dissensions inutiles. Alors, on fait attention en couple, nos amis béliers. Par contre, amis célibataires, vous aurez envie de profiter de tous les plaisirs qui passeront à votre portée. Et vous refuserez de vous laisser mener, mettre en cage. Vous jurez que personne ne réussira à vous priver de votre liberté. Seulement, un coup de cœur est prévu pour ce mois-ci et vous pourriez alors changer d'avis sans crier gare. Faites attention, amis célibataires béliers. On continue avec nos amis taureaux. Alors, taureaux, pour ce mois de mai 2017, avec cet aspect de Vénus, vous pourrez jouir de l'harmonie dans votre vie de couple, si vous faites les efforts nécessaires, bien évidemment. Agissez toujours d'une manière franche avec votre douce moitié et évitez à tout prix de provoquer des rapports de force ou de rivalité. Pas bon du tout pour le couple. Amis célibataires taureaux, les puissants aspects de la lune favoriseront les amours folles et passionnées. Il y aura du coup de foudre dans l'air pour ce mois-ci, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Les plus impulsifs des célibataires penseront même au mariage. Vous allez être domptés ce mois-ci, les taureaux. Amis gémeaux, vous saurez trouver des arguments de poids si votre partenaire vous reproche certains traits de votre comportement. Vous saurez très habilement vous tirer d'affaire. Vos relations conjugales, elles non plus, n'auront pas à en souffrir. Vous allez être des petits malins ce mois-ci, amis gémeaux. Les célibataires gémeaux, vous allez entrer dans une période calme sur le plan amoureux. Mercure, vous devenant favorable, va vous falloir une vie sociable, animée. Vous ferez des rencontres et qui sait, parmi ces nouvelles connaissances, quelqu'un attirera peut-être votre attention. Alors c'est un petit mois assez mondain pour vous, amis gémeaux. On continue avec les cancers. Alors ce mois-ci, les cancers, encouragés par Mercure en bel aspect, vous vous montrerez plus souple, plus tolérant envers votre douce moitié. Et vous recevrez en retour toute l'affection et la complicité que vous recherchez. Les célibataires connaîtront une période favorable côté cœur. Le moment sera donc idéal s'ils souhaitent entreprendre des démarches auprès des membres de l'autre sexe, car ils auront plus d'audace, plus d'aplomb que d'habitude et plus d'énergie aussi, amis célibataires. Du signe du cancer. On continue avec nos amis lions. Alors les lions, vous envisagez votre vie conjugale avec beaucoup d'humour et de fantaisie. Vous perdez vos allures guindées et votre réserve habituelle pour vous amuser beaucoup avec votre partenaire, votre conjoint. Les célibataires, un superbe duo planétaire vous rendra conquérant et décuplera votre sex appeal. Vous allez faire des ravages autour de vous. Certains et certaines pourront même tomber sous le charme d'un ancien amour. Reste à savoir si la suite de l'histoire sera aussi prometteuse que ses débuts. On continue avec nos amis vierges. Alors, après les récentes frictions, somme toute sans gravité, vous parviendrez à rétablir les rapports harmonieux avec votre partenaire, en maîtrisant votre côté instinctif. Le soleil radieux reviendra dans votre ciel amoureux, amis vierges. Ne désespérez pas, tout va rentrer dans l'ordre pour vous en ce beau mois de mai 2017. Les célibataires, ce mois-ci semble. En fait, ce mois-ci semble tout à fait favorable à une rencontre de haut de gamme. Vous aurez de fortes chances de croiser quelqu'un qui vous attirera irrésistiblement et avec qui vous expérimentez une véritable passion sexuelle. Mieux encore, cette découverte de l'extase s'accompagnera de sentiments aussi enflammés.
l'amour durable pour les célibataires vierges ce mois-ci. On vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite. On continue avec les balances. Alors, amis balance, la période s'annonce très prometteuse. En effet, la planète Vénus, bien aspectée, vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l'existence en compagnie de l'être aimé. Les liens du cœur seront à la douceur et l'amour conjugal vous offrira ses riches heures. Oh, c'est passionné ce mois-ci, les balances en couple. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous, amis célibataires balance? Pour vous, cette période sera placée sous le signe du plaisir. Vous n'aurez guère envie de vous fixer. Pourtant, Vénus sera là, ce qui pourrait vous amener à rencontrer celui qui vous donnera follement envie de vous marier dans les plus brefs délais. Ça sent l'amour dans l'air pour les célibataires. Amis Scorpion, la planète Vénus vous insufflera l'art de soigner votre image et d'affûter vos armes de séduction. Quelles que soient les circonstances, vous parviendrez à vous montrer sous votre meilleur jour, ce qui sera bénéfique pour vos relations conjugales. Un regain de passion donnera un air de jeunesse à votre couple. Amis célibataires Scorpion, vous rejetterez les relations ne pouvant déboucher sur rien de constructif. En revanche, la personne que vous rencontrerez, cette fois, pourrait bien ressembler au partenaire idéal. Très vite, vous vous mettez à parler mariage ou vous envisagez de vivre ensemble. On rencontre l'amour assez rapidement, ami célibataire Scorpion, ce mois-ci, hein? On continue avec les Sagittaires. Alors, cet aspect de Vénus insufflera du brio dans les relations conjugales. Multipliez les activités en commun avec votre douce moitié pour éviter tout risque de rivalité malsaine. Les célibataires sagittaires, climat amoureux empreint de douceur et de légèreté. Sous l'égide de Vénus, encore une fois, vous serez enclin à faire un assaut de séduction et pencherez pour l'aventure agréable, le flirt aimable. Vous ne vous encombrerez pas de considérations pesantes. De toute façon, la vie amoureuse serait gaie, fluide, sans tension ni drame. On veut la paix, les Sagittaires, hein? Et vous faites bien. On continue avec nos amis Capricorne. Alors, pour ce mois de mai 2017, amis Capricorne, cette période est placée encore une fois sous la férule de Vénus. Vous vous trouverez en pleine frénésie sensuelle. Vous passerez d'interminables moments heureux sous la couette avec votre douce moitié. Que du plaisir ce mois-ci pour les Capricornes! Les célibataires Capricornes, les influx astraux ne vous seront guère favorables ou vous ne serez pas satisfaits et vos amours dégageront un subtil parfum d'ennui, de morosité, ou au contraire connaîtront orage et coups de théâtre. Prenez votre mal en patience! Une embellie sera pour bientôt. Alors on ne désespère pas, amis célibataires Capricorne. Le beau temps s'en vient pour vous. Peut-être le mois prochain, qui sait? Restez à l'écoute. Et vous verrez. Alors, on continue avec nos amis Verseau. Alors, nos amis Verseau, Vénus est bien aspectée et elle exercera une influence bénéfique sur la vie à deux. Pour certains natifs, les difficultés conjugales disparaîtront comme par enchantement. Les tentations extérieures au couple s'apaiseront de façon significative. Ah, on va calmer l'orage ce mois-ci, amis Verseau, dans vos couples. Alors, les célibataires Verseau, pour cette période sera l'une des meilleures de l'année pour une rencontre promise à un bel avenir. Si quelqu'un vous fait battre le cœur, ne jouez pas les timides. Expliquez-vous clairement. Ce serait trop dommage de rater une si belle opportunité. Alors, amis célibataires Verseau, prenez votre courage à deux mains et avouez vos sentiments pour votre dulciné et votre beau mâle alpha. Cela s'avérera prometteur selon votre horoscope. Alors, on termine avec nos amis poissons. Les poissons pour ce mois de mai 2017, soyez attentifs aux petits détails de la vie à deux, qui, malgré leur apparence, ont leur importance. En cette période, une redécouverte mutuelle donnera un nouveau souffle à vos relations de couple. Pour vivre pleinement votre sexualité, ne négligez pas les bienfaits de la table, car le flambeau de l'amour s'allume à la cuisine, selon un proverbe français. Pour nos amis poissons célibataires,
Ce sera l'une des meilleures périodes de l'année sur le plan amoureux. Sous l'influence de Vénus, la déesse de l'amour, et de Jupiter, l'astre la plus favorable du ciel, une rencontre importante est possible et même probable. Mais attention, gardez votre sang-froid. Même si vous êtes fou amoureux, ne précipitez rien du tout. Prenez votre temps, amis poissons, et tout roulera comme sur des roulettes. Alors, ceci termine notre chronique horoscope sexe pour le mois de mai 2017. J'espère que vous avez eu du plaisir avec moi. Jessie G, bien évidemment, pour vous servir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une chronique folie des fantasmes où je vais vous parler de la sexualité au temps des hommes de Cro-Magnon. Et oui, parce qu'ils avaient bel et bien une sexualité et même des fantasmes. Alors soyez des nôtres, restez à l'écoute et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être à l'affût de toutes nos chroniques. Je vous embrasse. Mon nom est Jessie G et vous êtes sur Radio F, la radio du plaisir entendu. À la semaine prochaine!